L'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation, soviétique, américaine, britannique et française. 3,5 millions de Berlinois vivent dans une ville située à 175 km derrière les lignes russes. Berlin est relié à l'ouest par une autoroute et un chemin de fer qui traverse la zone soviétique. La ville est elle-même divisée en quatre secteurs, soviétique, américain, britannique et français. Je vous le dis, parce que seulement à Berlin et en même Allemagne, Berlin et l'Allemagne étaient les seuls endroits où les deux camps étaient en contact, c'est-à-dire les troupes soviétiques et les troupes des pays alliés. Ailleurs, il n'y avait pas de contact direct entre nos deux armées. C'est l'une des raisons pour lesquelles Berlin-Est est devenu un champ de bataille de la guerre froide. Les Berlinois vivent dans des conditions très difficiles depuis plusieurs années. C'est presque la famine et la monnaie n'a aucune valeur. Le marché noir fait loi. On troquait tout. Un non-fumeur qui touchait des cigarettes avec ses cartes de rationnement les prenait avec joie, parce qu'il pouvait les troquer pour quelque chose de plus utile. Naturellement, on l'a tous fait. Les cigarettes étaient notre monnaie. Seul le marché noir nous a maintenus en vie. Le secrétaire au Foreign Office, Ernest Bevin, a un plan pour l'Allemagne. Il n'aime pas les Allemands, mais il croit que le redressement européen dépend d'eux. We have to try and recreate Germany on a democratic basis. Give her a chance to live, at the same time, make sure that the security of the rest of Europe is preserved and that aggression cannot take place again. Les manœuvres militaires soviétiques près de Berlin. En 1948, la lune de miel entre les Alliés est terminée depuis longtemps. Les Soviétiques veulent une Allemagne affaiblie, contrôlée par les quatre puissances. L'Amérique, la Grande-Bretagne et la France planifient en secret un nouvel État allemand dans leur zone d'occupation. Des espions en informent le gouverneur militaire soviétique, le maréchal Sokolovski. Он нас собрал всех и сказал, что прочел нам данные. Il nous a tous réunis et il a lu un rapport des services de renseignement. Данные разведки показали, что в Лондоне. Le rapport disait qu'une conférence secrète sur l'Allemagne avait eu lieu à Londres. Il a lu tout haut tout ce qui avait été discuté à Londres. Sir Brian Robertson, le gouverneur militaire britannique, et son vis-à-vis américain, le général Lucius Lee, doivent mettre en œuvre les plans occidentaux. Le Conseil de contrôle allié se réunit régulièrement à Berlin. D'habitude, comme c'est le cas ici, les procédures se déroulent selon un plan bien établi. Le général américain Clay, ses partenaires occidentaux échangent des informations de routine avec leurs équivalents soviétiques. Mais le 20 mars 1948, Sokolovski va avoir plus de détails. Il parlait avec tact et politesse, et avec beaucoup de retenue. Il a dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous renseigner sur ce qui s'est passé à la réunion à Londres? Clay a répondu qu'il n'en ferait rien. Sokolovski a alors demandé à quoi sert un conseil de contrôle s'il ne nous dit pas ce qui s'est passé à Londres et s'il nous cache diverses questions qui concernent l'Allemagne. Avons-nous un conseil de contrôle, oui ou non? Le Russe s'est levé et il était entouré à gauche et à droite par 5 ou 6 d'entre eux. Et ils sont sortis. C'était exceptionnel parce que lorsqu'on mettait fin à la réunion, c'était toujours fait d'une manière professionnelle. Le général a dit à tout le monde de ne pas bouger parce que la réunion n'était pas terminée.
Les anciens alliés se provoquent l'un l'autre. Les Occidentaux n'ont aucune intention de quitter Berlin. Mais ils savent que les Soviétiques veulent qu'ils partent. Ils craignent que Staline ne déclare la guerre pour y parvenir. Les alliés occidentaux planifient une réforme monétaire dans leur zone. La dévaluation de l'ancienne monnaie va éliminer les profiteurs du marché noir et rattacher les Allemands à l'ouest. Les Russes n'en sont pas prévenus. Le 1er mai 1948, dans la zone soviétique, Staline fusionne les partis socialistes et communistes. Le nouveau regroupement, le Parti de l'Unité socialiste, défile en grande pompe. On caricature même Winston Churchill. Pour les manifestants, la vraie cible, c'est le conseil municipal, le magistrat, qui veut diriger tout Berlin selon les méthodes occidentales. Les conseillers du Parti de l'Unité socialiste y ont vu une menace à la nationalisation, encore incomplète, des propriétés qui avaient appartenu à de grandes entreprises, à des criminels de guerre et à des membres du parti nazi. En somme, à tous ceux que le Parti de l'Unité socialiste a blâmés pour avoir soutenu Hitler en 1933. La confrontation est inévitable entre le Parti d'Unité socialiste et ses adversaires favorables à l'Occident, dirigé par Ernst Reuter, dont la famille a déjà été forcée de fuir l'Allemagne d'Hitler. Les Russes opposent leur veto à son élection comme maire de toute la ville de Berlin. Es allen klar wurde, dass der kommunistische Diktaturwille jedes Mittel benutzen wird, um seine Macht im Schatten des russischen Imperialismus aufzurichten, da haben wir in Berlin. It was a very tense atmosphere again. L'atmosphère était très tendue. Il était fort possible que les Russes tentent de renforcer leur pouvoir dans cette partie du pays, dans la ville de Berlin, bien sûr, et ma famille allait peut-être devoir encore fuir la dictature. Les Allemands de l'Ouest font la queue pour leur nouvelle monnaie, le Deutschmark. Chaque personne peut échanger 40 marks, et seulement 40 marks. Tout le reste de l'ancienne monnaie n'a plus aucune valeur. Les Soviétiques ripostent en émettant leur propre monnaie, laquelle, insiste-t-il, aura cours dans tout Berlin. La monnaie et le pouvoir politique étaient synonymes à cette époque. Par conséquent, il était très important que ce soit la monnaie occidentale, le Deutschmark, qui soit introduite dans Berlin-Ouest et non la monnaie est-allemande. Ernst Reuter persuade le général Klee et les alliés occidentaux d'émettre le Deutschmark à Berlin-Ouest. Le nouveau mark frappé de la lettre B pour Berlin est émis dans les secteurs occidentaux le 23 juin. Il y a maintenant deux monnaies dans la ville. Les Berlinois constatent que les Deutschmarks occidentaux ont plus de valeur. Beaucoup de résidents de l'Ouest allaient fréquemment à l'Est et bien sûr, ils achetaient ce qu'ils pouvaient. Les marques de l'Est et les marques de l'Ouest, si on peut les appeler ainsi, étaient habituellement échangées à 1 pour 7 ou 1 pour 5, c'est-à-dire qu'on obtenait 7 ou 5 marques de l'Allemagne de l'Est pour 1 marque de l'Ouest. Et comme on l'a découvert plus tard, tout a été vendu, du moins dans la région de Berlin. L'introduction de la nouvelle monnaie occidentale à Berlin provoque la fureur des Soviétiques qui se demandent comment ils vont réagir. Sokolovski a pris le téléphone spécial et il a appelé Molotov. Il a dit, nous discutons de ce sujet. Qu'allons-nous faire?
Nous avons tous compris la gravité de la situation. Molotov a répondu, « Vous ne prévoyez pas envoyer les chars d'assaut dans les rues, n'est-ce pas ?» Sokolovski a dit, « Non, pas dans les rues, mais je vais les rapprocher de Berlin. » Non, ne faites pas ça, a répondu Molotov. Attendons un peu. Si vous faites intervenir les chars, on va vous accuser de planifier l'invasion de tout Berlin. Et ils vont envoyer leurs chars d'assaut. Il est préférable de résoudre cette question par les pourparlers diplomatiques. Les Soviétiques bloquent toutes les routes principales, les voies de chemin de fer et les canaux qui relient Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Ils ne prennent pas la peine de fermer toutes les routes, mais il est désormais impossible d'effectuer la livraison quotidienne des 12 000 tonnes de nourriture et de charbon fournies par l'Ouest à Berlin. Les Soviétiques coupent l'alimentation en électricité des usines et des bureaux. Les Berlinois de l'Ouest ne peuvent rien faire. Leur seule grande centrale électrique a été démontée puis réparée par les Soviétiques en 1945. Les Alliés occidentaux répliquent et imposent à leur tour un blocus à la zone soviétique. Les ouvriers de tout Berlin font face au chômage et à la misère. Tout d'abord, ça a été un choc terrible. Partout où on allait, tout le monde demandait « Oh mon Dieu, que va-t-il nous arriver maintenant ?» L'objectif de Staline est clair. Contraindre les alliés occidentaux à changer leur politique ou à quitter Berlin. En 1945, les alliés occidentaux avaient signé un accord avec les Soviétiques. Les avions pouvaient utiliser trois corridors d'une largeur de 32 km vers deux aérodromes de Berlin, Tempelhof et Gattau. Et les hydravions pouvaient aussi se poser sur le lac Havel. Les Britanniques relèvent le défi. Ils planifient un pont aérien. Ernest Bevin, le secrétaire au Foreign Office, donne son appui complet à l'initiative. The physical suffering of 2.5 million people in Berlin to try and influence the Allies, the Western powers, in their treatment of the Germans, and to try to force us out is one which we are unable to accept. Le général Clay, le commandant américain, ne croit pas au succès d'un pont aérien. Il veut sonder la détermination des Soviétiques en envoyant un convoi armé à travers le blocus. Il consent à contre-cœur de donner suite à l'idée du pont aérien avec Ernst Reuter. Clay avait dit que cela signifierait des privations extrêmes et que nous pourrions leur livrer très peu de choses au début. Et il a demandé à Reuter de but en blanc, « Croyez-vous que les Berlinois pourront l'accepter ?» Reuter a répondu calmement, « Occupez-vous du pont aérien, je me charge des Berlinois. » Et Clay a dit que ça lui convenait. Le pont aérien de Berlin commence à la fin de juin. Les Américains l'appellent Opération Vittles ou Victoire, les Britanniques Plainfare. Le pont aérien doit acheminer 2000 tonnes de marchandises par jour. Sinon, les Berlinois de l'Ouest ne peuvent survivre. Il leur reste du charbon pour 45 jours seulement et des vivres pour 36 jours. Quand le pont aérien a commencé, il a été accueilli avec un enthousiasme incroyable. Les gens lui faisaient tellement confiance. C'était vraiment remarquable. Les gens se disaient, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Ils ont largué tellement de bombes sur Berlin. Ils devraient bien être capables de larguer des pommes de terre. «
Des milliers de Berlinois trouvent un emploi et un repas chaud quotidien en travaillant pour le pont aérien. Les plus gros avions transportent 9 tonnes de marchandises. Nous pouvions décharger l'avion en 7 minutes environ. C'était 9 petites tonnes de charbon. Les Britanniques embauchent des équipages civils. Il n'y avait pas beaucoup de gens en Angleterre qui possédaient des avions. J'ai eu beaucoup de chance car j'étais propriétaire de 12 bombardiers Halifax transformés. Le gouvernement m'a contacté pour me demander « peut-on faire quoi que ce soit de ces avions ?» J'ai répondu « bien sûr ». Mais souvenez-vous, nous pensions tous que le pont aérien de Berlin n'allait durer que 2 ou 3 semaines, sinon la guerre aurait éclaté. L'Amérique monte les enjeux en envoyant en Angleterre des bombardiers B-29 capables de transporter des bombes atomiques. L'événement fait la manchette. Ces hommes auront la tâche stressante de franchir les obstacles de la météo et l'obstruction des rouges. La crise est si grave que le général Clay est rappelé à Washington pour faire rapport sur la situation. Il est accueilli par le secrétaire des armées, Kenneth Royal, puis par le chef d'état-major, Omar Bradley. Il porte sur ses épaules la responsabilité d'une guerre possible. Et le commandant en chef à la Maison-Blanche attend son évaluation de la situation la plus explosive jamais vue dans la lutte entre l'Est et l'Ouest. Le général Clay demande une fois de plus qu'on lui permette de confronter les Soviétiques avec un convoi armé. Si les Soviétiques s'écartaient pour laisser passer le convoi, la paix serait maintenue. S'ils choisissaient de ne pas laisser passer le convoi, alors ce serait la guerre. C'était aussi simple que ça. Et ce que le président Truman ne voulait surtout pas, c'était de voir notre pays s'engager dans une autre grande guerre. Nous venions juste d'en terminer une. Il n'y a donc pas eu de convoi armé, mais de plus en plus d'avions pour le pont aérien. À Washington, on m'a assuré la participation de C-54 supplémentaires capables de transporter 10 tonnes pour remplacer les C-47. Cela nous permettra d'augmenter notre pont aérien à 4500 tonnes par jour. On pourra ainsi ravitailler Berlin tout le temps qu'il faudra pour trouver une solution pacifique au problème. En août, Staline assiste à un spectacle aérien près de Moscou. Il est confiant que le blocus des secteurs occidentaux de Berlin va suffire à ramener les Alliés à la table de négociation. Mais le temps ne joue pas nécessairement en sa faveur. Le blocus occidental du charbon, de l'acier, des machines-outils commence à se faire sentir. Lorsque les diplomates occidentaux demandent à discuter, Staline accepte. Et Staline был, надо сказать, очень спокойно. Staline était très calme. Il fumait. Il ne marchait pas comme il le faisait habituellement. Normalement, il aurait tourné en rond comme un chat botté, mais cette fois, il restait assis. Il n'avait pas de notes près de lui. Il a dit, la question est très importante du point de vue économique, mais ce n'est pas la question la plus importante. Le plus important, ce sont les décisions que vous avez prises à Londres. Nous insistons pour que ces décisions soient révoquées ou au moins ajournées jusqu'à ce que nous nous réunissions de nouveau pour discuter de l'Allemagne. Il se rendait compte que l'Allemagne allait être divisée. L'Allemagne de l'Ouest, forte, soutenue par l'Amérique et l'Occident, qui couvrait les 3/4 du territoire de l'Allemagne, allait devenir un pays indépendant. Il a voulu empêcher ça. À Berlin, les alliés occidentaux et les soviétiques retournent à la table de négociation. Les Russes exigent le retrait du Deutschmark occidental de Berlin.
Ils exercent aussi des pressions à propos des corridors aériens. Il y a eu beaucoup de provocations. Ils effectuaient des manœuvres aériennes dans le corridor ou juste à côté. Ils se tenaient au-dessus de nos avions parce que nous devions respecter une altitude maximale et ils effectuaient des exercices de tir. Ils tournaient autour de nous et ainsi de suite. On décollait et on arrivait face à face avec un yak qui fonçait droit sur nous et se dérobait à la dernière minute. Ou bien un autre se glissait derrière nous de façon à ce qu'on ne puisse pas le voir, puis il se montrait au-dessus de l'aile. Mais ils n'ont pas tiré. Le mauvais temps cause des retards et des accidents. Le pont aérien ne transporte pas assez de nourriture et on n'a pas entreposé de charbon du tout en prévision du rude hiver qui s'annonce. Les Berlinois savent qu'ils vivent sur la corde raide. L'alimentation en électricité ne fonctionne que 4 heures par jour. On faisait le lavage la nuit. Comme j'avais un petit bébé, je devais faire bouillir les couches et faire la cuisine. Si on n'avait pas de fer électrique, on devait aller chez une voisine pour repasser ensemble. C'est toujours pareil quand les temps sont durs. Les gens se serrent les coudes pour passer à travers toutes les épreuves. Le blocus soviétique n'empêche pas les Berlinois de l'Ouest de circuler librement à l'intérieur de la ville. Le secteur de l'Est, derrière la porte de Brandebourg, peut être très attrayant. J'ai souvent traversé à Berlin-Est. Si on voulait sortir, il fallait aller dans le secteur de l'Est. Il y avait des salles de danse, de la musique, l'éclairage électrique. Les pièces étaient chauffées et on y retrouvait les conditions de vie normales en temps de paix. Les Russes offrent aux Berlinois de l'Ouest d'acheter de la nourriture dans le secteur soviétique. Près d'un sur 10 acceptent. Les Soviétiques n'imposent pas de blocus total, mais les Berlinois de l'Ouest qui vont à l'Est se font harceler. On pouvait sortir en train, mais on était constamment contrôlés ici et là, partout, par les Russes. Ils entraient dans la gare et demandaient nos papiers d'identité ou fouillaient nos sacs à main et nos sacs à dos. On avait l'impression que si un Russe n'aimait pas la tête d'un Allemand, ils allaient l'arrêter. La situation se corse entre les anciens alliés du temps de guerre. La ville se scinde. Le 6 septembre 1948, les activistes communistes rendent à une assemblée générale du conseil municipal de Berlin-Est. Ils cherchent l'affrontement. Ce n'était pas une manifestation spontanée et populaire. On pourrait plutôt dire qu'on avait ordonné aux membres du parti et à des sympathisants de manifester. Leur but était d'abolir l'ancien conseil municipal. On voulait entreprendre la séance. Mais le président de la Chambre, M. Zur, n'a jamais pu y arriver parce que les bandes communistes avaient décidé d'investir les lieux. La nouvelle s'est répandue. On s'est passé le mot. On ne pouvait pas travailler là. Certaines personnes avaient déjà été battues. Il nous a donc fallu partir. Les conseillers expulsés de l'hôtel de ville se rencontrent en sécurité à Berlin-Ouest. Ernst Reuter les accompagne et il invite tous les Berlinois à se rassembler au Reichstag pour protester. La RIAS, la radio du secteur américain, a diffusé la nouvelle.
En raison du manque d'électricité, on utilisait les véhicules équipés de haut-parleurs pour diffuser les nouvelles dans la rue plusieurs fois par jour. Nous avons demandé à un bon acteur d'enregistrer ce message. Berliner und Berlinerin, Ihr Stadt ist in Gefahr. Votre ville est en danger. Les gens sont venus, par centaines de milliers. C'était une manifestation d'unité de la part de la population de Berlin. Nous n'avions qu'une idée en tête. Nous restons unis, nous sommes contre les Russes et nous appuyons les alliés occidentaux. Près de 300 000 Berlinois, dont un grand nombre de l'Est, se rassemblent au Reichstag. Selon les politiciens de Berlin, il était possible que les alliés occidentaux en arrivent bientôt à un compromis avec les Russes. Un compromis qui serait nuisible à l'Allemagne. Ils se sont rendus à cette réunion pour montrer que les Berlinois étaient décidés à se battre pour leur liberté et la démocratie. Heute, heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Lorsque le rassemblement prend fin, un homme déchire le drapeau soviétique qui flotte sur la porte de Brandebourg. La police et les soldats russes du secteur de l'Est ouvrent le feu. 12 personnes sont blessées. Un jeune Berlinois est tué. Et la journée n'est pas encore terminée. Une délégation se rend au Conseil de contrôle des Alliés que l'on soupçonne de négocier avec Staline le retrait du Deutschmark occidental de Berlin. Les Alliés comprennent le message. Le Deutschmark reste. Rhein-Main-Field was busier than ever this week as airlift traffic was suddenly bolstered by fresh squadrons. Here a group of valiant young pilots talk over the day's operations. Mensch, bei dem Wetter willst du starten? Na klar, Mensch, Berliner warten auf mir! Le blocus et le pont aérien continuent. On transportait de tout, des médicaments, des journaux, mais surtout du charbon. Et c'était d'ailleurs notre principal problème. La poussière de charbon s'infiltrait sous les planchers et les câbles de contrôle et rendait difficile le pilotage de l'avion. On volait donc avec la porte de secours arrière ouverte afin d'évacuer la poussière. Toutes les 45 secondes, les avions de l'Ouest survolaient Kleinmachnow, puis l'académie du parti avant d'atterrir à Tempelhof. Nous étions assis là. Des professeurs du département d'histoire et d'autres ont dit « Les Américains comprennent mieux que nous le matérialisme historique. » Nous nous sommes demandé ce que ça voulait dire. Oui, ils comprennent qu'il faut avoir de la nourriture et des secours de base avant de commencer à parler d'éducation politique. Les Américains comprennent le matérialisme historique. Les pilotes du pont aérien effectuent jusqu'à 3 missions par jour. Un pilote américain emporte sa propre caméra 8 mm.
Je suis retourné à Berlin pour prendre ces images de ce côté-ci des barbelés. Des enfants sont venus de l'autre côté des barbelés et m'ont vu en uniforme. Ils se sont rapprochés et ont commencé à me parler. « Combien avez-vous de sacs de farine? Combien y en aura-t-il demain? » Ils ont changé de sujet très rapidement pour discuter de liberté. Ils ont dit, « Écoutez, un jour, nous aurons assez à manger. Donnez-nous seulement un peu de liberté. Ne nous abandonnez pas quand ça ira mal. Nous en aurons assez, mais si nous perdons notre liberté, nous pourrions ne jamais la retrouver. » Et ces enfants étaient âgés de seulement 8 à 14 ans. Ils m'ont épaté par leur maturité et leur compréhension de ce qui était important. Halvorsen promet aux enfants qu'il va revenir avec du chewing-gum et du chocolat, qu'il va larguer avec de petits parachutes. C'est incroyable de voir tout ce qu'ils pouvaient transporter dans leurs avions. Je me souviens encore que mon fils cadet était là, quand les soldats américains ont largué des petits parachutes avec des friandises, de la gomme à mâcher et du chocolat. Kaugummi et un peu de chocolat, ça. La nouvelle de l'exploit de Halvorsen, le bombardier de friandises, se répand rapidement. Il est sommé de comparaître devant son commandant. Il m'a vraiment sermonné. Il a sorti un journal, on voyait un avion qui larguait des parachutes. Il a dit, « Hier, à Berlin, vous avez presque assommé un journaliste allemand avec une tablette de bonbons. » Il a publié cette histoire dans le monde entier. Et il a ajouté, « Le général m'a téléphoné pour savoir ce qui se passait. Je n'en savais rien, je ne serai jamais promu. Pourquoi vous m'en avez pas parlé ?»« Je me suis dit que vous refuseriez, mon commandant. » Il a dit, « Vous avez raison, mais le général pense que c'est une bonne idée. Continuez. » Pour l'Est comme pour l'Ouest, la radio est une arme privilégiée dans la guerre de propagande. Trotz ungünstiger Witterung und niedriger Wolkendecke vollzog sich auch heute der Lufttransportverkehr nach Berlin planmäßig. Am frühen Nachmittag trafen die ersten Skymaster-Maschinen mit je 8 Tonnen Stein. Werden Sie am Sonntag wählen? Ja. Ja. Und Sie? Selbstverständlich. Wir wollen hin. Aber natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen, ob Sie am Sonntag wählen? Aber selbstverständlich, wenn wir wählen. En décembre 1948, les Berlinois de l'Ouest élisent un nouveau conseil pour diriger leur secteur de la ville. Le Parti de l'Unité socialiste, qui a dominé l'ancien conseil dans le secteur soviétique, boycotte les élections. En ce moment, nous sommes une ville divisée. On n'y peut rien. Notre survie dépend maintenant du développement de liens extrêmement forts avec l'Allemagne de l'Ouest. Ernst Reuter est le nouveau maire et Louise Schroeder, son assistante, mais seulement dans la moitié de Berlin. Pour la garnison américaine à Berlin et le général Klee, la fête de Noël est soulignée par la venue de Bob Hope et du grand compositeur populaire Irving Berlin. No, you've got the name wrong. It's Irving Jones. Irving Jones? Yes, I changed it. Anything over here named Berlin, they cut up into sectors. Not long ago, a group we called the Air Corps helped win the war and took a bow. Not long ago, we cheered the fighting Air Corps. Let's see what's happened to them now. Operation Biddles has earned the way. Have all the green and hay, and everything's okay. Operation Biddles has earned the night we go. We won't forget to blow against the world. L'opération Victoire, le nom de code américain pour le pont aérien, fonctionne enfin grâce à un hiver exceptionnellement doux. Le dimanche de Pâques 1949, on transporte 13 000 tonnes en 24 heures, un record. Le pari est gagné. On peut ravitailler indéfiniment Berlin par avion. Nous habitions Karlshorst et nous pouvions entendre le bruit des avions qui apportaient de tout, dont du chocolat et des cadeaux de Noël. Nous ne pouvions en faire autant, nous étions pauvres et l'Ouest était riche.
Mais bien sûr, ce blocus idiot était voué à l'échec. Der Insulana verliert die Ruhe. Les Soviétiques n'ont pas réussi à chasser de Berlin les Britanniques, les Américains et les Français. Les mesures alliées visant à contrer le blocus nuisent à la zone soviétique. Le 12 mai 1949, Staline laisse tomber le blocus. À l'approche de minuit, la tension monte au poste de contrôle britannique. Habitués à la vieille coutume des Russes de changer d'idée quand ça fait leur affaire, les fantassins chevronnés sont un peu déroutés par cette nouvelle atmosphère de coopération. Sur le coup de minuit, la barrière se lève et une jeep britannique ouvre la voie dans Berlin. Bien des gens croient que la fin du blocus de Berlin signifie la fin de la guerre froide. Je suis rentré chez moi après minuit en empruntant l'autoroute de Hützkreuth à Neukölln. Quand nous avons traversé la frontière entre les deux secteurs, tout était illuminé. C'était comme dans un rêve. Freude! Une joie immense, rien d'autre. Nous avions réussi. Ça fonctionne avec l'Ouest. C'était tellement important. L'Ouest avait gagné. C'est maintenant au tour du général Lucius Lee de rentrer chez lui. Après un défilé d'adieux, il effectue une dernière visite à Berlin. Il m'a donc demandé de l'accompagner à la cérémonie d'adieu à l'hôtel de ville. Konrad Adenauer et les principaux dirigeants allemands y étaient. Ça a été une cérémonie d'adieu très impressionnante et comme c'est souvent le cas, personne n'avait pensé à installer un autre microphone pour l'interprète. Ça m'est arrivé très souvent, de sorte que je devais me pencher pratiquement contre la joue du général Clay pour parler dans le microphone. Et sous les projecteurs, j'ai pu voir des larmes dans ses yeux. I shall not use the English word goodbye, but rather try to say to you, Auf Wiedersehen. Le jour même où général Klee prononce les mots « Auf Wiedersehen », le chef de la future République de l'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, s'adresse aux Berlinois. Und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt zum Siege geführt hat. The Cold War period in Berlin. La période de la guerre froide à Berlin a vraiment été au cœur, à l'origine de la démocratie d'après-guerre en Allemagne. On sentait de plus en plus qu'après tout, on pouvait persuader les Allemands d'adopter la démocratie et de faire partie du monde occidental. À bien y penser, la crise de Berlin a mené à la division de l'Europe. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest a été créé et deux semaines plus tard, de notre côté, la République démocratique allemande a vu le jour. Cette division s'est étendue à toute l'Allemagne. En avril 1949, le rêve du secrétaire au Foreign Office, Ernest Bevin, d'une alliance stratégique entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord se concrétise avec la signature du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. La principale réussite du pont aérien de Berlin, c'est d'abord d'avoir persuadé bien des gens effrayés dans toute l'Europe qu'ils devaient se joindre à l'Alliance Atlantique. Cette idée procure un sentiment généralisé de sécurité, malgré la présence des forces russes beaucoup plus importantes juste à nos portes. Le 29 août 1949, les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique. C'est la fin du monopole nucléaire américain.
Le monde est maintenant divisé au centre par deux superpuissances concurrentes. En plein cœur, il reste une Allemagne divisée. Et Berlin aussi divisée.